C'est une véritable cohorte d'animaux éclairés et sonorisés. Animal, le carrousel éclaté est une création du théâtre de la Toupine venue de Haute-Savoie. Au Minlendel de Souffle, c'était l'attraction phare de cette 4e édition proposée par le Malte. Allez, c'est parti. La petite musique qui va avec les animaux et tout, c'est vraiment génial. Pour les enfants, ça donne l'ambiance des manèges d'antan, c'est top. Minlendel, c'est aussi un marché des producteurs et artisans locaux. On a aimé les bijoux de Mimi, la chocolaterie de Bonobio et l'atelier de Serge. Ce sont des objets en bois, donc du bois récupéré, hein, que je transforme en objets déco. Donc il y a des pots à crayons, il y a une variété de produits, il y a des petites clôtures, diverses guirlandes, il y a la cathédrale qui est représentée aussi. Qui tient la poignée là ? Dans la déambulation, on a croisé à nouveau les poneys avec les plaisirs équestres de Wolfisheim. Il y avait aussi les pionniers américains dans leur habitat d'antan. Et Franz, le coq venu de la ferme de Buxwiller avec ses copains. Un petit bout de campagne à Souffle-Weyersheim. C'est bien aménagé avec les prairies vertes. Oui, on se croit vraiment à la campagne. Ça nous fait une petite balade et en même temps, ben, on découvre des nouveaux animaux. Bah, je crois que c'est la première fois qu'elle voit une petite chèvre. C'est joli. La ferme de Buxwiller a recueilli au fil des ans des animaux de tout horizon. Pendant le Covid, c'était devenu le poumon des alentours et c'est aujourd'hui une ferme pédagogique. Les gamins commençaient à s'agglutiner au grillage en disant « Oh, des animaux !» Donc je leur permettais de rentrer, nourrir les animaux, les caresser, leur expliquer leur histoire. Et petit à petit, on s'est dit « Punaise, ça a du sens, il faut qu'on fasse quelque chose. » En milieu de journée, le soleil a fait son apparition sur Minlendel, le barbecue est lancé avec tarte flambée, frites, crêpes au chocolat et des géraniums tout neufs pour qu'enfin le printemps s'installe à Souffle-Weyersheim.